cet homme, ça dit quoi? Mais ça, ça fait longtemps. Ça fait bien longtemps. Qu'est-ce que ça fait longtemps? Toi, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu en facecam, ouais. Facecree. Dernière vidéo, Milan. Bon, après, il y a eu des vlogs. Ouais, il y a des petits vlogs. Forcément, ouais. Une vidéo... pur et dur. Pur et dur. Ça fait longtemps. C'est vrai, ça. Ça fait un bail. Eh bien, tout d'abord, bonne année. Bonne santé. Surtout, on vous souhaite plein de belles choses, plein de cris avant tout. C'est ça. Et aujourd'hui, on vient avec un concept qui est plutôt sympa. Un puissance 3. On l'expliquerait pas. Ouais, on va l'expliquer. On va l'expliquer, les amis. Les amis, aujourd'hui, on a un concept qui est totalement nouveau sur ma chaîne. C'est un espèce de morpion où, en fait, le but du jeu, c'est de trouver des joueurs qui ont joué dans différents clubs. C'est un tableau croisé. Donc, il y a 3 clubs en haut et 3 clubs en bas. Vous devez trouver un joueur qui a joué par exemple à Bordeaux et à Marseille, à Bordeaux à Saint-Etienne et à Bordeaux à Monaco et ainsi de suite. Bref, vous allez comprendre là, au fil de la vidéo. Voilà. Et le but du jeu pour nous, c'est de réaliser un puissance 3, donc un petit morpion, la rangée, la diagonale ou la ligne. Est-ce qu'on commencerait pas sur un petit Shifumi pour savoir qui commence? C'est parti. Shifumi. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on commencerait pas en beauté? Vas-y. Avec un petit PSG Monaco. Ah oui. Et moi je pense directement à... En vrai j'ai 2 joueurs en tête. Ah moi aussi j'en ai 2. Vas-y. Premier, il est consultant sur RMC. Jérôme Roten. Roten, merci. Roten régal. Et le deuxième, Ludovic Djougui. Ah putain, moi j'avais 2 joueurs. C'était qui? J'avais Jérémy Ménez. Ah putain, ouais. Et Néné. Néné. Donc Roten. Ouais, Roten. Roten premier, ok. Moi, je vais partir sur Lyon-Saint-Etienne et je vais prendre la Panthère, Bafétimbi, Gomis. Bien vu. Gomis, ici. Il y a Payet aussi. Ouais, c'est vrai. Non, Payet, il n'y a pas joué à Lyon. Ah putain, je suis con, il n'a pas joué à Lyon, c'est vrai. Vas-y, attends. Moi, je vais partir sur un petit PSG-Saint-Etienne. Ok. Oula, putain, j'en ai même pas en tête. J'en ai même pas en tête. Ah, tu peux changer, là. Je vais partir sur Bordeaux-Monaco. Bordeaux-Monaco, ok. Et je pense à Aurélien Tchouaméni. Envie de me Tchouaméni, effectivement. Tchouaméni, gros joueur quand même. Bien sûr. Il y a un maillot, il y a un maillot qui vient de chez nous en plus. Ouais. Ça vient de chez nous, ça vient de Bordeaux. Ouais. Tchouaméni, ok. Donc, si je ne veux pas perdre, il faut à tout prix que je trouve un joueur qui est passé par Lyon et Monaco. Et Monaco. Et là, c'est pas la même histoire. Pas mal, ça, en plus, tu l'as dit tout à l'heure. Un joueur qui a joué à Lyon et à Monaco, il a joué au Barça aussi. Bah, ouais. Ludovic Djougui. C'est vrai. Putain, j'ai oublié qu'il avait joué à Lyon. Ah oui. Bien joué. Du coup, moi, faut que je trouve Lyon-Marseille. Ouais. Forcément, j'en ai en tête. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Lyon-Marseille. Si je te dis. Dans une soirée d'Olympico Vélodrome. La poupée, piñata. La piñata. Mathieu Valbuena. Valbuena, trop bon. Oui, Valbuena, bah oui. Après, il y en a eu d'autres, hein, je pense. Mais. Bah, c'est aussi, ouais, il y en a eu un paquet. Ouais, bah Ben Arfa et tout. Mais... Ouais, voilà. Ah, purée. Alors. Moi, je vais partir. Sur. Paris Saint-Etienne. Et je vais partir sur un petit Blaise Matuidi. Ah ouais, Blaise. Blaiseou. Blaiseou. Matuidi. Let's go. Ah, du coup, moi, je vais partir sur Bordeaux-Saint-Etienne. Hein, Bordeaux-Saint-Etienne. Ouh, t'en as un? Là, c'est chaud. Bordeaux-Saint-Etienne. Bordeaux-Saint-Etienne. Ah, ah bah si, le Saint-Dieu. Qui? Wabi Kazri. Ah putain, Wabi. C'est vrai, Kazri, putain, bien vu. Putain, Kazri. Ah, je l'avoue que je l'avais pas su. Hein. Bien joué. Ok, donc là tu m'as bloqué. Bah, donc, je crois que égalité dans tous les cas. De toute façon, il n'y aura pas de vainqueur. À moins que je ne trouve pas de joueur qui ait joué à Paris, Marseille et Paris Bordeaux. Et toi, tu trouves tout. Mais malheureusement, pour toi, je connais un mec qui a joué à Bordeaux et Marseille. Vas-y. Et il a eu sa petite chanson à Chaban à l'époque. Bien sûr. Souleymane, voilà, il a fait un petit tour aussi dans une maison, ouais, d'arrêt, mais bon, ça ne me regarde pas. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. On l'embrasse d'ailleurs,
très bon défenseur. Oui. Connu pour avoir découpé Cristiano Ronaldo. Exactement, et j'en ai fier, et ça fait plaisir. Ah, l'anecdote, elle est incroyable. Je vais mettre un petit extrait si je peux, elle est incroyable, l'anecdote. Souleymane Diawara, évidemment. Bah oui. Souleymane Diawara. Bien joué, bien joué. Diawara. Et on finirait sur qui du coup? Paris-Marseille. Paris-Marseille, il y en a eu un paquet. Mais un paquet, t'as. Bon, déjà, j'assure le coup, Gabriel Heinze. Allez, Heinze, on assure le coup. Il a joué dans les deux. Mais ouais. Il y en a un paquet qui ont joué dans les deux. D'ouf. Il y en a qui fait jouer là-bas. T'as Loric Sana. Ouais. Modeste Mbami, paix à son âme d'ailleurs. Ouais. On a appris que voilà. Ouais. Qui d'autre qui a joué à Paris-Marseille? Ben Arfa, du coup. Ben Arfa, ouais, non, il y en a un petit paquet. Hein. Mais match nul, du coup. Ouais. Le concept, il est pas mal. Il est très très bon. On va le garder. Ça va être refait. Et alors, je sais pas si t'as entendu parler de WinRezo. C'est qui ça? Ah, WinRezo. C'est bon. WinRezo. Voilà. Bien sûr. Les frérots, si vous avez besoin d'une agence de communication digitale pour un club sportif, pour vous-même en tant que joueur, ça marche aussi. Bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la couverture vidéo. On fait de la création digitale, de logos, etc. Ouais. On fait tout plein de choses, les gars. Je vais vous mettre plein d'infos de ce côté-ci de la vidéo. L'Instagram, faut le mettre. L'Instagram, je le mets là aussi, non? Oui. L'Instagram, il est là. Il faut le mettre. Voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre aussi? Le TikTok, il est là. Abonnez-vous, les frérots. On casse tout sur les réseaux cette année. En tout cas, on l'espère, on vous le souhaite, on croise les doigts. C'est l'objectif. Voilà, un petit mot pour finir cette vidéo. Bonne année, bonne santé. Voilà. On vous embrasse. C'était nous, à la prochaine. Ciao.